suis Guillaume Fest, j'ai 20 ans, je suis ébéniste et je représente la région Île-de-France. J'ai remporté le 2e prix national du prix Avenir Métier d'Art. J'ai un frère qui est designer, qui a fait Olivier de Serres, et qui m'a très vite amené à dessiner tous les jours, quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Puis après, rencontre d'un ami qui m'a aussi fait découvrir le travail du bois. Puis c'est comme ça ensuite que je suis rentré à l'école Boulle en formation métier d'art. C'est une formation en 3 ans, j'ai un équivalent bac, et ensuite j'ai fait un diplôme des métiers d'art sur 2 ans. Je suis actuellement en formation complémentaire non diplômante en tournage sur bronze. Mon projet s'appelle Néper. Néper, c'est le dieu du grain dans l'Égypte ancienne, c'est aussi le dieu de la fertilité. J'ai eu la description d'un réel besoin, celui de donner une place dans l'habitat de cette culture à la graine et d'en faciliter l'usage. Donc mon meuble développe un ensemble d'objets, d'outils, qui permettent d'ouvrir cette culture à un plus grand nombre et surtout de pouvoir faire cette culture et revenir à ses gestes perdus. On va tout d'abord avoir une partie qui va concerner la conservation. Cette conservation s'effectue en partie haute avec un plateau, où on va avoir sur le plateau une suite de petites boîtes en quotibé, à l'intérieur duquel on va avoir les graines, ces graines fertiles. Et sur le dessus de ces boîtes, on va avoir un motif de notre corrugulis qui, à l'usage, va permettre à l'utilisateur de se souvenir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va avoir tous les outils en partie basse qui vont permettre d'accompagner la récolte jusqu'à la conservation. Je trouve que ce projet, il me correspond. En quelque sorte, il porte mes valeurs de la création et de la manière dont je peux la voir et l'interpréter. Les deux. Les deux. Les deux, c'est la même chose.